Ouais, non, c'est pas forcément étonnant. Il redescend quand même d'un stage en altitude. En reprise, il a toujours été fort. Hein. Je me rappelle au Tour de Romandie, il était en reprise avant le Giro et pareil, il avait gagné 3 ou 4 étapes du Romandie plus le classement général. Donc, non, moi ça m'étonne pas, surtout qu'il sort d'un stage altitude, un stage altitude à Teide. Donc, non, moi ça m'étonne pas du tout. Ah, bah ça l'avenir nous le dira. Comment on vit sa domination quand on est adversaire? Est-ce que c'est parfois un peu frustrant? Comment on vit ça quand on a fait des miettes entre guillemets? Bah, on va dire qu'on fait avec, hein. Voilà, on sait qu'il est plus fort que nous. Après, on essaye de pas se dire il est plus fort que nous, on n'y arrivera jamais. Donc, on essaye de se demander comment on peut faire pour le déstabiliser. Et voilà, des fois c'est juste à l'instinct qu'il faut réussir à le déstabiliser. Merci. Merci David.